Eh bien salut les gars, donc nous avons justement eu un changement de dernière minute, je dis bien dernière minute, car à la base je devais justement prendre ce stuff et j'attendais justement vos avis. Il y a d'ailleurs eu une personne dans les commentaires qui m'a justement proposé de mettre la Strigide, non, ce que je dis, la Glourson plus la Danator, ce qui fait deux bonus PA, qui est vachement sympa, pour justement avoir le mode 12-6. D'ailleurs, je tiens également à remercier Pure Protect de ma guide de m'avoir conseillé un stuff, bah, tout simplement là, justement la Glourson d'Anna. Et puis au lieu de la cape glaciale, une cape sinistro fou que je trouve vraiment cool pour les résistances. Ça me donne justement plus de résistance. Alors franchement, dès qu'il m'a montré ce stuff, je me suis dit c'est le stuff que je veux. Tout simplement parce que le 12-6, les 4500 vita, les 5 portées évidemment, des 300 prospects. Initiative qui est plus que présente. Le 1 sur 2 partout, même au corps à corps. Bon, la vita, 700, presque 800 chances. Franchement, et tout ça en 12-6, c'est ça qui est vraiment parfait avec ce stuff. Je trouve vraiment nickel. Alors bon, je vais vous montrer les caracs. Alors ici, c'est vrai qu'on a un peu plus de vita que dans le stuff 1 où j'avais mis 700 et 250, mais bon, au final c'est encore mieux même comme ça, j'ai envie de dire. Alors ensuite, bah évidemment la cape sinistre pour plus de res. Alors en fait, si vous voulez, dans le stuff numéro 1, les res c'était vachement pas trop ça. Bon, ici là, on peut voir qu'au corps à corps je peux taper puisqu'il y a 840 en CC sur du 0%. La plupart du temps je fous plein de vues avant de taper un mob, hein, ça c'est la base. Alors ici, hein, sur de partout. Alors les res ici sont, franchement, je les aime bien. En tout cas, ça c'est sans cram-cram. Hein. Avec cram-cram, ça donnera bah, 5% en plus haul. Franchement, en plus, je trouve le 777, c'est vachement. C'est assez stylé. Bref, les respix qui sont plutôt pas mal. Mais d'un côté, franchement, pour l'autre stuff que. Attendez, je vais vous montrer. Le stuff numéro 1, ce qui me dérangeait, hein, franchement. C'est vraiment nickel partout, en plus 900 de chance. Ce qui me dérangeait le plus, c'était les résistances. Je trouve que 0%, 0% R et O, je trouve que ça le fait vraiment pas. Et bref, avec la Strigide Glourson, justement. Mais pourquoi est-ce que je dis Strigide Glourson? Ah là là, j'en ai marre. Avec la Glourson d'Anator, ce problème est réglé. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus 30% partout, mais avec Picole, je pourrais peut-être monter dans les 40 et quelques pourcents partout, et c'est ça qui est vachement sympa. En tout cas, avec le cram-cram, ça c'est sûr. Bref, alors c'est un changement de dernière minute. Finalement, je compte prendre ce stuff dans tous les cas parce que, en fait, ouais, bon, là je l'ai supprimé l'ancien stuff. La Strigide Glourson, non, finalement, je ne vais pas la faire. Et en fait, à la base, j'avais justement un mode 12-6 mais avec moins de vita. Je perdais des stats partout juste pour un pauvre GLPAPM, alors que j'ai justement cette. Ces deux panneaux réunis qui sont vraiment top, hein. Pour moi ça sera justement le top du top et j'ai pas besoin justement d'acheter de mettre un gel PAPM dessus. Alors ici vous pouvez voir j'ai 104 dommages haut, c'est vraiment sympa comme stuff. Alors bon, des over vita, bah, là j'y tiens. Bon, c'est dommage parce que là, mon panda n'est pas connecté, mais j'ai déjà la ceinture qui est un peu over, je crois, je suis pas sûr. Il a mu qui est un tout petit peu over. Il me faudrait peut-être un over vita sur l'épée Glourson. Et peut-être sur la coiffe d'Anna. Enfin bref, ce stuff, je trouve franchement bien. Et je pense que ça va être le stuff que j'achèterai dans quelques jours. Hein. Je dirais dans 3 jours au grand maximum. Peut-être 4, ça dépend. Parce qu'en fait, j'ai fait la commande de mes deux stuff. Et ça dépend quand ces stuffs arriveront. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le stuff pour un pandawa en team, en team 8 tout simplement, et qui est haut. Voilà, il est haut. Et franchement, 12-6, vraiment rien à dire là-dessus. Bon, sinon c'était Joystick et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.